Hey, salut tout le monde, c'est Lexuki et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Lune. La dernière fois, on avait capturé quelques Ultra Chimères, c'était bien sympatoche. Mais on a vu surtout l'arrivée de la Rainbow Rocket. Et où faut-il aller? Faut aller où? Je ne sais pas. Sur le Paradis Ever? J'imagine. Qu'est-ce que tu me dis, Motisma? Je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Motisma, faut faire quoi? Bon, attendez. J'enchaîne, mais en fait, j'ai pas fait gaffe. Tant que la passion est là, la voiture continue. Super, merci maman. Ça m'aura été très utile. Bien inutile comme mère. Mec, tellement full vénère. Rien. Je pense que c'est le paradis à Ever, puisqu'on a vu que c'était bordel par là-bas. J'imagine que ça doit être par là. Rentrons ici. Bah déjà, au moins, je pourrais acheter des Ultra Balls. Ah, ouais, elle est là-bas. Tous les visiteurs sont priés d'évacuer dans l'ordre et le calme. Voici la crêpe de la crêpe de la... Les Ultra Balls. Résultat, hein, 1000 Pokédollars 10. Ok, vous recevez 10 Ultra Balls. Les Ultra Balls sont le fruit d'une coopération entre un fonceur et l'Ultra Commando. Je vais en racheter encore 10. Hop, 10. Je sais pas si c'est worth, mais on va prendre ça. Hop, tac 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 tac. Et partons voir du coup ce qu'ils se disent là-bas. Alors. Oui. Alex, c'est terrible, mère, le paradis ever, tout est... Du calme. Pardon, c'est tellement... Alex, quel soulagement de te revoir, laisse-moi t'expliquer. Nous avons organisé une conférence de presse pour expliquer l'origine du nuage noir de Pony. Mais une ultra-brèche s'est soudainement ouverte et une organisation fort louche s'est emparée du manoir de la présidente. Les individus se sont présentés sous le nom de la Team Rainbow Rocket. Lorsque je voyageais dans la région de Kanto, j'ai entendu un nom similaire. Une mafia nommée Team Rocket exploitait les Pokémon et commettait des crimes odieux. Je soupçonne que cette organisation s'est introduite à Alola pour le terrible motif. Mère est donc l'otage de cette Team Rainbow Rocket. Nous avons étudié différents plans pour sauver la présidente, mais l'ennemi est d'une puissance écrasante. La situation est particulièrement préoccupante. Pire encore, nous ne savons toujours pas pourquoi cette organisation a pris d'assaut la Fondation, et nous ne connaissons pas ses revendications. Je dois sauver Mère, je ferai tout mon possible, mais nous sommes si peu nombreux. Alex, peux-tu nous venir en aide? Évidemment. Merci avec toi à nos côtés, nous sommes plus forts que toute une armée, ou même deux. La Team Rainbow Rocket rôde dans les parages. Voici ton remontant habituel, tu en auras bien besoin. Une malassadeur encore? Waouh. Je sais même pas à quoi ça sert. Faites bien attention à vous, tous les deux. Promis. Promis. J'ai bien envie de checker ce que... À quoi ça sert, une Malassade Max. Elle soigne toutes les altérations de statut d'un Pokémon. Wow. Ouais, un total soin, à la limite. Alors... Ouais, il reste encore des gens de cette fondation, et vous deux, là. C'est le territoire de la Team Rainbow Rocket, ici. Du balai, oust. Je vais me charger de ce malotru. Alex, je te rejoindrai plus tard. Oh, elle va lui casser la gueule. Amis, sur éradiquer toute opposition. Femmes, enfants, les gamines et les tantes compris. Bon, bah. Alors, Lucanon en première position. On peut prendre ça, ouais.
Si Mandrillon peut servir à quelque chose tout à l'heure, on essaiera de le mettre en première position. La Team Rocket est de retour en tant que Team Rainbow Rocket. Tremblez devant notre toute-puissance, moi. C'est super. Un Pokémon, un Rattata. Un Rattata niveau 1. Colossinge. Ok, Colossinge. Lucanon. Au niveau 61. Ah oui, non, ça ne rigole plus. Hein. Ça ne rigole plus. Tonnerre. Colossinge utilise grincement. Bon, il baisse ma défense qui est déjà assez basse. Mon défense du canon baisse beaucoup. Il utilise tonnerre. Oh. Ouais, là on lui a fait mal. Bourdon, c'est pas très efficace. Je m'en fous. Il utilise colère. Voilà. Bourdon. Voilà. Non mais... Il n'est pas très efficace, mais il est quand même KO. Il est 3176. Et on a battu le sbire. Oh, pas tapé, ok, c'est toi qui es tout puissant. 1952. C'est nul. C'est pas beaucoup 1952, hein, quand même. Pokémon. Chelours. Là, on revient un petit peu à un niveau un petit peu moins abordable. Oh, regardez-moi ce petit bout de chou. Tu t'es perdu? Tu veux un bonbon? Non. Ma maman, elle m'a dit de ne pas accepter des sucreries des inconnus, hein. Persian. Mais j'ai choisi le bon Pokémon. C'est génial. Attaque. Marteau-poing. Marteau-poing, assurance. Ouais, c'est super. 10 de dégâts, ce n'est pas très efficace. Ouais, voilà. Ça, c'est réglé. 1843. Oratoria monte niveau 63. Bien. Metalos monte niveau 68. Metalos va être tellement OP aussi. En fait, c'est plutôt moi qui me suis perdu. En effet. Avançons. Avançons. Oh, il y en a encore deux. Ah oui, ça a quand même bien changé. Notre plan est plus que parfait. Il n'y a plus de futur pour toi. Abandonne. Là, c'est un Oceralto. Non. Un Pokémon. Là, ils vont nous sortir tous les Pokémon habituels de Spectrum. Tous les Pokémon qu'on a l'habitude de voir chez la Team Rocket. Il y aura un Oceralto, je pense, après. Attaque. Centrifugifle. Prélèvement de destin. Veux que c'est. Centrifugifle. Ok, il est KO. Et du coup, ça fait quoi? Non, il l'emmène au tapis! Salaud. Du coup, toute mon équipe... Ouais, on a battu le machin. Notre plan était peut-être un peu imparfait sur les bords. Alors qu'il allait monter de niveau. Je vais lui mettre un rappel quand même à... Notre poteau. Rappel utilisé hop, sur Chelours. On va le switch. Je pense que le prochain, ça va être un Oceralto. Bon, quoique, ils peuvent avoir plein de Pokémon. Donc, on va mettre Oratoria quand même. Mandrillon, non. Voilà. Voilà. Il est assez zen, lui. Voilà. Tu veux savoir comment on a fait pour envahir la Fondation, hein? Non, en vrai, je m'en fous. Je veux juste vous faire dégager. Et t'as un seul Pokémon et ça va être un Oceralto. Eh oui! Cet homme a réussi à deviner. Oratoria, go. Bon, du coup, on va lui faire un laser glace et il va être terminé. Attaque, laser glace. Oratoria utilise laser glace. Boum. Oh, il est même pas KO. Choc venin. Oh oh. Terrible ça. Pas empoisonné, c'est déjà ça. Laser glace, encore. Mmh.
super efficace, et voilà, c'est parfait. 1868. Et chez l'ours, n'a même pas monté de niveau. Mais si, tu veux savoir. Ah bah, il a lu dans mes pensées. Hein. C'est bon, on peut aller au château de la Team Rainbow Rocket. Alex, c'est bon, je lui ai mis un coup dans les... pour passer. Le manoir s'est transformé en château, qu'est-ce que cela signifie? Serait-ce l'influence de l'ultra-brèche dont parlait Madame Vicky? Ne faites plus un pas. Oh là 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 là. Monsieur Soboron, que faites-vous ici? Cessez immédiatement de vous opposer à la Team Rainbow Rocket. Que voulez-vous dire? Si la Team Rainbow Rocket investit le Paradis Ever, notre fondation pourra se développer et sauver encore plus de Pokémon. C'est exactement le coup de pouce dont ma carrière a besoin. Quelle heureuse coïncidence, ne trouvez-vous pas? Monsieur Sobone, ne me dites pas que vous... Mais oui, très chère Lily, je reconnais là cet instinct qui vous a poussé à sauver Cosmog, des griffes de la Fondation. Vous avez parfaitement compris. Je collabore activement avec la Team Rainbow Rocket pour assurer une passation des pouvoirs rapides et sans heurts. Et sans heurts. Oh, elle est tellement kawaii. Monsieur Sobone, vous nous trahissez, mais... La Fondation Ever n'est pas votre marchepied pour vous assurer une situation. Cessez immédiatement vos activités et rendez-vous. Quel dommage que votre intelligence n'égale pas votre instinct, mademoiselle. Je sais bien que si Gladio ou le petit-fils du doyen s'allie au maître d'Alola, je n'aurai que peu de chances de sortir victorieux. Mais si vous, mademoiselle Lily, êtes son seul renfort, ma victoire m'appartient déjà. Je compte sur vous pour lui mettre des bâtons dans les roues comme vous savez si bien le faire. Hein? Je ne suis plus la même depuis mon voyage aux côtés de Alex. Et je vais vous le prouver. Je vais te mettre un coup de pied dans les... Puisque vous le prenez ainsi, les gens m'appellent l'ultime bastion du Paradis Ever. Le grand directeur Sobone va vous montrer la dure réalité du monde des adultes. En 2v2 ? En 2v2, est-ce qu'elle n'aurait quand même pas des Pokémon? Ok. Ouais. Sobol en Rocaorine, un grand bull. No way, elle a un Pokémon. Mélophée. Oh bah oui, un Mélophée, hein, ça va nous aider, hein. Allez, niveau 60 quand même. No joke, c'est pas trop dégueu, hein. Attaque. Araya de l'écume. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Même sur le Mélophée, je m'en fous. Et du coup, elle a des Pokémon. Incroyable. Lily a des Pokémon. Araya de l'écume. Ça me surprend. Ça aurait été mieux si elle était la maître de la ligue. Ça aurait été vraiment surprenant. L'attaque spéciale de machin baisse et l'attaque spéciale de Mélophée baisse, mur lumière. Ah, super! Augmente la résistance de l'équipe aux capacités spéciales. Quand je dis super, ça me... Osef, mais... Allez, hop. Toujours tout le monde. Mélophée, je m'en fous qu'il se fasse mettre KO. Enfin, j'espère que c'est pas son seul Pokémon. Et là, elle nous sort un Lunala en Pokémon allié. Ce serait un petit peu... coup critique infligé. Mais coup critique infligé, ça servait à rien de faire un coup critique sur lui. Moi, je suis le pire. Je suis le pire au niveau de la luck. Hein. Mandrillon monte au niveau 50. Super. Il utilise aboiement. Ok. C'est pas très efficace sur Rotaria. Mais par contre, ça baisse l'attaque spéciale. Pouvoir lunaire. Ok, pas grand chose. Un hypnomade. Attaque. Du coup, laser glace. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Ça fait 90. Et Aria de l'écume, ça fait 90 aussi. Je vais continuer, Aria de l'écume. Je vais continuer à mettre ma team au fond du gouffre. Oratoria évite l'attaque. Ouh, nice. Pour une fois.
Ouh, Hypnomade a pris... Ah, voilà, un coup critique sur Hypnomade, là, c'était bien. C'est pas très efficace, coup critique a fait jamais l'effet. Et l'attaque spéciale baisse encore. C'est pour ça que ça inflige quand même moins de dégâts depuis le début. Quel grand bulk qui est encore en vie. On va continuer, hein. Aria de l'écume. Ah oui, sur tout le monde, oui. Oubliez de valider. Hypnomade utilise hypnose. Non. Ok, bon, je vais changer mon Pokémon après. Il me faut... Je sais pas ce que je vais pouvoir sortir. Il utilise aboiement. Ok. Bon, ça fait toujours pas grand chose. Et Melofey, t'as pas des attaques genre torgnole, des trucs comme ça, plutôt que pouvoir lunaire. Pouvoir lunaire, ça fait plus de dégâts là depuis que t'as moins 4 en. Moins 4 en attaque spéciale. Et en attaque aussi. Oh merde. Terrible. Changer de Pokémon. Métallos. Changer. Ah oui, puisqu'il y en a un qui est type fée, donc avec le point metteur, ça peut être bien. Bon, j'imagine qu'il va faire hypnose sur le Melofey. Dévorev. Ah, ça n'affecte pas. Bien dommage. C'est super efficace sur Métallos. Oui, ça se voit. Et du coup, ils ont 6 Pokémon, je crois. Mais il est toujours pas KO. Putain, Melofey. Piétisol. Piétisol, c'est sur tout le monde. Eh ben, Piétisol sur tout le monde. Je m'en fous, là. On va bien en terminer, hein. On va tous les mettre KO en vrai. Psycho. Psycho sur Melofey. Bon, bah, de toute façon, il est KO. Je peux bien faire des dégâts à tout le monde. Piétisol. Ah, bah non, lui, l'hypnomade a résisté quand même. Metalos gagne un total de 2800. Je suis lourd sur mon niveau 63. Bien. Et il envoie un Bagaïde. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Intimidation de Bagaïde. Corps sain de Metalos. Les stats ne baissent pas. Elle avait qu'un seul Pokémon! Quel bolos, putain. Mais quel bolos! Elle avait un seul Pokémon! Elle avait juste un Melofey, quoi! Oula, Bagaïde a résisté. En tout cas, ce n'est pas très efficace contre le Bagaïde. Et lui, il a pris un coup critique. Et encore une fois, un coup critique sur un Pokémon qui n'avait plus de PV. Hein. Je commonte au niveau 71. Il ne peut plus attaquer, c'est super. Dantikris! Attaque. Piétisol. Il nous montre Lily comme si c'était quelqu'un qui faisait quelque chose dans ce combat. Oula. Ça m'a fait prendre quoi cher. Ouais, là c'est chaud. Ah ouais, là c'est vraiment chaud. Et je crois que j'ai mis KO que 2 Pokémon. Oh là 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 là. Force Z, point météore sur Bagaïde, puisque ça c'est normal. Voilà. Bam. Allez, au moins on peut le mettre KO Bagaïde. Ou lui faire vraiment beaucoup de dégâts. Mais il faut qu'on ait. Je crois que celui qui est à droite, il n'a plus qu'un seul Pokémon. Je crois. Bah. Non, je crois que les deux. Enfin, il n'a plus qu'un seul Pokémon. Ouais, je crois que ce mode n'a plus qu'un seul Pokémon. Chacun a plus qu'un Pokémon. Utilise Machouille. Bon, bah, le Metalos RIP. Content de t'avoir connu. Ouais, il reste un Pokémon chacun. Lucanon. Go. Super efficace. Toutes ses attaques sont super efficaces. Et il est de type psy en face. Lampignon. Et Bourdon, c'est pas sur les deux Pokémon? Non. Tonnerre sur un. Et les canons sur un.
On va faire tonnerre sur Dentikris. Psychocrow. RIP. Il n'y avait plus beaucoup de PV en même temps. Utiliser avec la magique, mais ça échoue. Junko. Changer. Junko go. Voilà. Hop, attaque. On va lui faire lame-feuille à lui. Hein. On va le calmer, le Dentikris. Il me saoule depuis tout à l'heure. C'est bon. Et il ne reste plus que l'autre, là. 3000. Utilise éclat magique. Ok. Ça passe. Ensuite, Plécroix. Sur Lampignon. Je suis pas sûr que ça fasse énormément de dégâts. Ça reste correct. Mais je crois que les éclats magiques font plus de dégâts. Plécroix. Toujours sur Lampignon. Allez, toc. Lampignon ennemi utilise éclat magique. Ouais. Éclat magique fait. Autre mandrillon. Mandrillon poison dragon. Hop, allons-y avec ça. Allons-y avec mandrillon. Je crois que ça va pas être... Mais si, il est de type dragon. C'est terrible, ça. Hein. Ok. Allez, t'es plus rapide. J'espère que t'es plus rapide. Direct toxique. Sur Lampignon. Nice. C'est la première fois que je l'utilise en combat. Oh, il a réussi à le mettre KO. Wow, Mandrillon. Mandrillon, tellement OP. Voilà, tous les... Sobon, le directeur d'Aever, est employé. Ça fait fort longtemps, que dis-je. Une éternité, gloops. Moi aussi, je peux le dire. Gloops. Oh, mais t'es comme... Oh. Eh ben, il est que c'était pas facile, ça. Feu, vous m'avez vaincu, et alors, cela ne change rien. Les ultra-brèches sont rentrés en résonance avec les aspirations de grandes pontes d'autres mondes. Et ont permis de créer l'organisation la plus puissante et la plus effroyable qu'on puisse imaginer. Évidemment, rien n'aurait été possible sans les merveilles scientifiques d'Aever, qu'ils pillent outrageusement. Bah, amusez-vous à vous débattre inutilement, les enfants. Alex, allons-y. Soigne mes Pokémon, femme. Alex, allons-y. De fort, d'ailleurs, elle est plus grande que moi. Pokémon. Ah, mais... Non, c'est... Faut que je soigne mes Pokémon. Impossible d'appeler une Pokémon tueur, ici. Oh, chiant. Je suis obligé de retourner à pied ici. Très lentement. Oh, l'autre, il est en train de dormir. Ouais, je pense qu'il s'est pris un coup dans les balls de la part de Lily. Hein, puisque, à mon avis, Lily, elle aurait pas pu le mettre KO avec juste un Mélofée, quoi. Eux, je ne sais pas ce qu'ils font, là. Ils se touchent. Hein. Surtout, n'approche pas du manoir de la présidente. Mais attends, tu es le maître. C'est la team... Mais soigne mes Pokémon. Mais personne pour soigner mes Pokémon. What the fuck? Non. Tous les visiteurs... Non, mais... What the fuck? Mais... Comment ça, personne pour soigner mes Pokémon? Soigne mes Pokémon, homme. On a reçu une grosse cargaison de bâtons pour occuper les cales artichauts. Tiens, je t'en donne un. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'un bâton? Soigne mes Pokémon. Oh, putain. Bon, est-ce que je peux m'envoler vers d'autres cieux? Bon, allez, je vais soigner mes Pokémon à la mano. Après, je vais rentrer dans le... Dans le manoir, dans le château, là, et ils vont... Ils vont me dire, ah bah tiens, il faut que je te soigne tes Pokémon. Oh, c'est vraiment une connasse cette Lily. Soigner. Bon, Mandrillon, je sais pas si c'était worse, mais voilà. Et Chelous. Et on va mettre un réveil sur... non, pas un rappel, un réveil. Un réveil sur Oratoria. Voilà. Et switchons un petit peu nos Pokémon pour mettre en première position Lucanon. Voilà, allez.
Putain, l'autre il est en train de dormir quoi. Tellement inutile ce gars. Et rentrons. Hop. Ok. Donc, j'imagine qu'on peut pas passer sur les côtés là. On va rentrer ici. Yo yo yo. Non, ok, ils ont tout changé quoi. Tout changé. Qu'ont-ils fait à cette chambre? Tous mes souvenirs d'enfance. Nous devons atteindre la pièce du fond, mais la porte miroir ne s'ouvre pas. Retournons vers l'entrée. Vers l'entrée, il y a peut-être un autre moyen de s'y rendre. Et sinon, tu veux pas soigner mes Pokémon, hein, bien sûr. Oh. Des intrus. Je vais vous faire regretter de vous être frotté à la Team Rainbow Rocket. Team Rainbow Rocket en avant. J'ai pas peur de vous. Ah ouais, je vais te faire avoir peur de moi, tu vas voir. Allez, du balai, la princesse. Eh, vous vous croyez où, là? Monsieur Guzma? Ah, place au boss que tout le monde déteste. Celui qui adore éclater des têtes. Bling bling et sable de marque, c'est Guzma qui débarque. Eh, je te connais, toi. T'es le boss de la feu, la Team Skull. La Team Skull et les petits loupards d'Alola. Qu'est-ce qu'un vaurien doublé d'un raté vient chercher au Château Rocket? Tu t'es perdu? Tu cherches ta maman? t'as pas complètement tort. J'ai plus rien, même plus mes lascars, je suis plus personne. Et même si je suis un raté, il y a des limites à pas dépasser. Quand tu touches à ce qui compte pour moi, faut t'attendre à des dégâts. Allez Alex, viens. Hey Alex, bouge et donne-moi un coup de main. Ah, là on aura peut-être quand même quelqu'un qui sera là pour nous vraiment nous épauler. Puisque bon, ah, Lily c'était tendu, Lily elle servait tellement à rien. Ah, en plus ils ont qu'un seul Pokémon chacun. J'aurais préféré avoir Guzma pour le combat précédent, hein, franchement. Rapace de pique et machin. Lucanon et Sermuray. Je comptais bien que ça allait être Sermuray. Sermuray niveau 64. On va faire tonnerre sur rapace de pique. Sermuray, tu fais ce que tu veux. Et on va partir sur ça pour ma part. Bec vrille. Sur le Sermuray, hein. Nice. C'est super efficace, mais au moins il tank. Il utilise effort, ça n'affecte pas sa Sermuray. Casse-brique. Voilà, nice. Ça, c'est réglé. 2946 et Oratoria monte niveau 64, bien. Le canon utilise tonnerre. Et le rapace de pique KO. On fait une bonne team, Guzma. Reste avec moi. Le canon niveau 65. Bien, 234 attaques spéciales. Wow. Mandrillon passe au niveau 51. Nice. Sbire de Team Rocket et Sbire de Léon ont perdu. J'ai perdu contre un minable de la Team Skull. Maman! C'est tellement débile. Un gamin et un loupard. Et il gagne contre la Team Rainbow Rocket. Impossible. On s'est fait balayer. Et bien sûr, il a souffert. Ils sont débiles. Et il a souffert. Merci, monsieur Guzma. Bah, pas besoin de me remercier. J'ai fait qu'annihiler des minables qui me revenaient pas. Allez, bougez-vous. Vous avez pas autre chose à faire, les mioches? C'est vrai. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Ah bah enfin. Ils sont vraiment trop forts pour moi. Mais je suis là pour te soutenir du mieux que je peux. Viens me voir si tu as besoin de soigner ton équipe. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Vous avez si c'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois pour affronter cette Team Rocket. Rainbow Rocket. Allez, bye tout le monde. Show me the code.